Ouah! Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et regardez cette statuette de Zangdar absolument sexy et cette boule de cristal qui nous permet de pénétrer directement dans le donjon de Nahalbeuk. Aujourd'hui, encore de l'aménagement, de la décoration, des quêtes, des trucs qui se passent. C'est bien. Ce jeu, c'est le repos. J'espère que les gens, ça vous plaît. Gonflement de l'ego du maître. Les dialogues sont marrants. Astiquage des robinets, pouah, c'est sexe. Et j'ai à ma disposition des petits réglisses qui ont à la fois cette espèce, vous savez, les espèces de petits réglisses avec le cœur rose et le cœur vert fluo. Donc si vous m'entendez me repaître durant la vidéo, c'est que je n'ai aucun remords. Très bien. Les travailleurs arrivent pour enlever tous ces pièges qui ont exécuté en off des gens qui sont venus... Ah merde, j'ai déclenché ça. Des gens qui sont venus casser les couilles. Voilà. Et là, les prisonniers vont donc rameuter tout le monde. Là, nickel. Enfin, les bourreaux, pardon, excuse-moi. Les bourreaux vont ramener tout le monde en prison. Et malheureusement, ils n'arrivent pas à déclencher les pièges. Ah putain. Ce couloir, c'est une complexité. Hein. La propension qu'ont les sbires à déclencher les pièges devrait être diminuée quand même, je pense. Hein. Oui, il devrait y avoir un cooldown, vous voyez ce que je veux dire. Il devrait y avoir un cooldown. T'es un fort magicien. Ok, ok, d'accord. Et tu l'as soigné, super. Tu l'as soigné en lui dormant dessus. Oh, les techniques de fort magicienne, mon gars. Les techniques de deep throat médical. Hein. La sodo placebo, hein, c'est neuf. Hein. Bref, on peut toujours faire des sacrifices ici. D'ailleurs, ce serait peut-être une idée de faire quelques sacrifices. Vous êtes quoi, vous ? Bon plaisir. Eh bien. Des espions et des gardes drôles. En vrai, où sont mes barbares? Juste avant, en plus. Où sont mes barbares? Métier barbare. Oups. Où êtes-vous? Caron mange poulet. Oxar l'enragé. S'amuse dans la prison. Ah oui, hein, il s'amuse dans la prison, based. Eh bien, écoutez, on va sacrifier ce sbire et donner 3 démons barbares au. Comment ça s'appelle? Au nécromancien, au démoniste, pardon, excusez-moi. Ah non, on a deux démonistes, Rincefort et Godrin Taldus. Très bien. Voilà, déclenche pas. Super. Non, elle... Ah, connasse. Bon, c'est pas grave. Il y a geste. On commence à avoir pas mal de pognon et nous avons un problème de banque, braves gens, qui se pose. Déjà, allons faire la quête de raids qui seront disponibles. Chapelle profanée. Super. On envoie les gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Il était une fois en fermentation. Opération déferlante vineuse. Ça, c'était lors de la dernière quête. Dernier épisode. Il fallait envoyer des gens récupérer des reliques auprès des prêtres de... Enfin, des machins de Xor. Let's go. 70 d'infos. Ça coûte cher. Tirer une carte info. Il était une fois la fermentation. Garde sorcier, cultiste et nécromancien. Eh ben écoute. Voilà 3 gardes. Voilà un cultiste. Surveille ces démons. Ah bah oui, tu peux pas, oui, d'accord. Ok, ok. Voilà un cultiste. Et est-ce que je peux envoyer un nécromancien? Ce serait based. Ce serait based. Participe déjà à un raid, d'accord, j'ai rien dit. C'est pour ça que les cadavres se vident pas, d'accord, tout s'explique, tout s'explique. Bon, bah on envoie un garde. Non, pardon, excuse-moi, on envoie quand même, voilà, très bien. 100%, hop, ça s'envoie. Et ça, enfin, la chapelle. Orc, gobelin et troll. Très bien. Balance du sbire, balance du sbire, balance tout le monde, balance des nains. 66% de chance de réussite. 45. 66, bon. Au pire, les gobelins se coûtent pas très cher. Let's go, bonne chance. Voilà. Alors, maintenant que tout ceci a été envoyé et que j'ai bien claqué toutes mes infos, nous allons transférer le bureau de Rayvax à l'étage. Voilà, en changeant sa porte, on va la mettre là. On va agrandir aussi les locaux. Boop. Voilà, histoire de le mettre bien. Histoire de mettre bien le petit Ré-Ré. Pas déconner. Attends.
attends, mais la pause, c'est la grève, putain. Ah la vache. Quand t'entres dans sa baraque, bam. Déjà. Attends, quoique, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Attends, attends, en fait, virez tout. Voilà, virez tout. Ok, très bien. Bon, relax. Déjà. Paf. Quand t'entres dans son bureau. Cours de construction. Alors c'est la grève. Du coup, il faut la grève à l'entrée. Il faut la grève à l'entrée. Du coup, il n'y a plus de bureau de Revax. Les arbres me manquent. Par les nattes de petits. J'allais plutôt faire. Vous voulez moins de nains, vous aurez rien du tout. Quoique. C'est vrai qu'on peut plus. On n'a plus les bureaux des ressources inhumaines, donc on peut plus licencier personne. C'est brave. Voilà, très bien. Chapelle profanée est terminée, très bien, excellent. Bureau des ressources inhumaines. Donc quand tu rentres, paf, t'es face à Revax, ça met la vax. Boum! Double étagère. Ah, ça passe pas, malheureusement. De centrer ça un peu efficacement. Voilà, double étagère derrière Revax. Ça, c'est la classe. Bureau ACV, ça augmente le prestige. Bam, et ça ferme son bureau. Là, un plumard. Chiotte privée adaptative. Ah non, on peut pas. Attends, une seconde. Tac, voilà déjà. Chiotte privée adaptative. Douche privée adaptative. Voilà, chiotte et douche privée adaptative, faut pas déconner. Ah, il manque une case, hein, tant pis. Voilà, très bien, on va mettre un. Mettre un bureau comme ça. Ouais, non, comme ça, ça va être bien. Comme ça, ça va être bien. Comme ça, ça va être bien. Double service à robinet. Bah, double service à robinet juste au-dessus de son lit. Ça lui fait des fenêtres. Table de petit modèle pour Revax. Table d'intendant. Ah ouais, il se met bien. Bon, il n'y a pas la place pour la table pour l'instant. Bloquer un réussir un raid. Victoire Zandar le parrain. Ok, 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 ok. Et il faut aussi le pépalentir. Voilà, apparemment pas besoin qu'il soit complexe. Là, comme ça, ça passe. Et maintenant, il s'agit d'adapter la zone. Voilà. Là, je peux mettre un drap qui cache un peu le plumard, mais c'est pas très prestige. Pour Revax, on voudrait quand même un peu de la classe, tu vois, genre pas, pas. Tu vois. Bah. Voilà, il a des quartiers privatifs. Et avec ça, il peut proposer des chiantos. Un petit chiantos. Quoi que non, vaut mieux un candélabre. Oups. La porte, c'était une erreur. Voilà. C'est vrai qu'il a un fauteuil de relaxation. Voilà, il peut en profiter. Pour l'instant, c'est pas très, 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 très agencé, je suis d'accord, mais. Ça a quand même une gueule, hein. Ça a quand même une gueule.
Ça fait pas de sens, mais c'est classe. Petit tableau. Ok, c'est juste bizarre. Je dirais ça. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est based. Boum. Voilà. Bon, la fougère est trop, je suis d'accord. Pas que. Fougère là. Trop grand. Bon, déjà le tapis, ça c'est sûr. Voilà, déjà tapis prestige. Tapis prestige luxus. Voilà, voilà. Là on discute, là on s'installe, là on s'interroge, là on se fait plaisir, voyez-vous. Mural, torche. Lanterne. Voilà, triple lanterne. Level max. Pas mal, hein. Et enfin, le portrait de l'employé du mois. Excellent. Boum. Bureau de Revax. Allez. Certes, c'est compact. Mais ça a une belle gueule. Excellent. Et maintenant... Continuez, et c'est au fouet que vous parlerez. Bon, ça va. J'aime coiffer les poneys. Au moins de nains, ils vont s'en remettre, ils vont s'en remettre. Fin de la grève, très bien, enfin. Ok. Étage max. Oh là là. Oh là là. Ok. D'accord, très bien. Armoire de grande taille pour Zandar. Ok, très bien. Okay, on a l'air d'avoir débugué le truc. Nice. Là, voilà. Et Zandar, il va être bien là. Il va être bien. Il va être bien. Allons-y. Voilà. Oh, Benza, il m'a fait un raid. Merci infiniment, j'avais pas vu. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis le pire ami qui existe. Tout va bien. Alors. Ouais. Voyons voir. Le lit. De Zandar. Bam. Distributeur de chiantos personnalisé, bien sûr. Et voilà. Avec ça. Quoique non, pas distributeur de chiantos personnalisé. J'ai craqué psychologiquement, j'ai cédé. Mentalement, je me suis abandonné, là. Voilà, candélabre. Candélabre de prestige maximal.
Il n'y a qu'une seule chose à modifier ici. Fauteuil de Zangdar, un objet royal. Putain, il se met bien! Il se met bien! Suppression de ça. Et enfin, remplaçage. La fontaine vide. Et enfin, remplaçage. Excusez-moi. Remplaçage. Voilà, les plus petits murs. Ok, ça. Petite palissade. Oui, voilà. Quoique c'est pas nécessaire. Moyenne palissade. Parce que à la rigueur, je peux même mettre le grillage nain. Oh, oui! Oui! Ça marche! Mais enfin, dans ces chiottes spéciales extrêmement serrées, non, y a rien à... Y a rien à modifier, monsieur l'agent. Je pense que c'est... Je pense qu'en l'état, c'est très bien. C'est presque parfait. Bah super, ça fait glitcher l'objet là. C'est nickel ça. Je pourrais le mettre là. Et là comme ça il glitch. C'est parfait ça. Hop, on peut superposer les objets. Voilà. Zangdar, tu te mets bien. J'ai rendu mes appartements exquis, merci! Merci! Ah, il y a les statuettes, là! Ah, Zangdar, tu t'es mis bien, là! Frangin, tu t'es mis bien! Bon, les vieux draps qui pendent au mur, je suis d'accord. Je suis d'accord. Nous n'y sommes pas. Et ça, c'est pareil, c'est un peu too much. En vérité... Je pense qu'une simple, voilà, la simple barrière en elle-même suffit, voilà. Voilà, voilà, super. Ça cache déjà assez bien la vue comme ça, je trouve. C'est selon moi pas nécessaire. J'ai envie de dire, parce qu'on cherche la perfection. Gillette. Rien de plus, rien de moins. Là. Voilà. Là, on discute. Là, on part. Là, on est bien. Il est où, Zangdar? Zangdar, PTDR, t'es où? Mange à la cantine? Ah. Oui, bon, bah, oui. Oui. Oui, fair enough. Et Revax, PTDR, t'es où? Rien à faire. Quelle belle salle de pause, d'accord. Ok, bon bah il le vit bien. Ok, bah très bien, somme toute. Voilà, excellent. Bien. Comment? 14 messages de poulet. Garde, artisan. Espion. Cuisinier. Aïe. Cuisinier orc. Espion. Et un artisan gobelin, sans doute. On va le reprendre. Voilà, très bien. Et enfin, boop, efface tout. Les messages, les raids. Ouh, on a bien passé 20 minutes sur ce truc. Hein. Je suis désolé, mais il fallait. Alors, déferlante vineuse. Yes. On a tout. On a même récupéré un tapis médium 3. Et ça, c'est goldé. Fais voir ce que ça vaut. Attends, on a un tapis. Les tapis, ça peut tout changer. Paillasson. Ouh. On a celui-là. Ah, c'est de la merde. D'accord. Ok. Nos troupes sont revenues de Grasque. Alors, ils ont trouvé un objet magique? Oui, mais apparemment après avoir trouvé le vin. Ils ont ramené le tapis de salon de Svaltoral le balafré. Affirme. Code alerte. Mal au crâne. Régénération orga. Misère et fiante coyote.
Surtout pas un mot au maître. J'avais prévenu, il est costaud le pinard de Grasque. Les bonnes années, on peut y flotter à la surface tellement il est épais. Putain. La violence. Isanlar. Parfait. Voyons voir. Orc, on va leur faire des trucs. Aïe, aïe, aïe. Cuisinier Orc level 7, ça fait mal. Au moins. Au moins. Quand on provoque, Riva. Au moins. Au moins, ça gère. Ok, bien. Maintenant que nous avons du coup bougé la salle au trésor de Zangdar. Attendez, enfin la salle de Zangdar. Pirez-moi tout ceci. Il est essentiel d'ajouter une putain de salle au trésor au rez-de-chaussée. Je sais, c'est pas intelligent. Détruisez les murs qui existent. Ça a l'air buggé de ouf. Ça a l'air buggé. C'est buggé. Buggé. Essayons des choses. Chargeons la campagne. Sauvegarde. Vas-y, vois. Tu vois, apparemment, ce mur existe. Et une fois intégré, ce mur a l'air de disparaître. Bon, c'est pas très grave, vous me direz. Ouais, si, ça m'emmerde. Voilà, déjà, on va placer ça et on va voir si ça les supprime derrière. Voilà. Voilà. Nouvelle décade. Grève. Eh ben, ça tombe bien. Comme ça, au moins, ils vont retarder le fait de se faire payer. On va voir si après avoir fait ça, ça l'a pas soigné. Valide. On va voir s'il le défait, ce mur mystique, un peu du futur. Non, ça a pas l'air. Non, bah, tant pis. On est obligé de faire avec. Tant pis. C'est bon, on va faire avec. C'est un bug. Ça arrive. C'est la vibre agent. En attendant, on peut quand même mettre une fontaine. Donc moi, je me plains pas. Je suis plutôt content, ça rend bien. Et on peut remettre le candélabre. Et on peut surtout remettre... Putain, vivement le fait que... Voilà. Vivement le fait qu'ils mettent cette option. Ce serait quand même pas de refus. Alors, ils peuvent se déplacer, là aussi. On va la mettre là, et puis pas les couilles. Allez, hop, tac. Tac, ça envoie. Et du coup, on a de la place. On a 4 personnes en plus à embaucher. Ça tombe bien. On va embaucher. 1, 2, 3, 4 gants. Voilà, 4 banquiers. M'en bats les couilles. Grève est en cours. Quel est le problème, messieurs, dames? On veut moins de nains. Bah, vous cassez les couilles. C'est ça, votre problème. Vous me la pétez. Allez, hop, ça, c'est en tôle. Ça, c'est en tôle. Vous voulez quelque chose de douloureux? Quoi, tu te plains, toi? Non, t'es pas en grève, toi. Hein. Oui, allez, ça, c'est en tôle, ça, c'est en tôle. Oui. Ça, c'est en tôle. Tout le monde en tôle. Allez. En zonzon, les fions. Olar, les zonards. En prison, les pigeons. Y a problème, humain. Quoi? Humain? Ouais. Ouglet, bourriné, sans du soin de tout. J'écoute, mais je comprends pas tout. Pardon? Ouais, le level 1, c'est dangereux. Bon. Au moins tout ceci s'arrange. Putain, heureusement que j'ai demandé à ce qu'on garde la salle propre. Hein. Quel bordel quand même dans ces couloirs. C'est dégueulasse. Hein. Ça manifeste encore là ou bien? Tout est passé.
Ah oui, c'est de faire la grève en haut, ouais, d'accord. Fin de la grève ? Fin de la grève, tout le monde bosse, très bien. La CNIL vient nous réquisitionner nos tombes. Bah, qu'ils y viennent. On les attend de pied ferme. Ça va bien se passer, vous allez voir. Deuxième étage, tout le monde attend pour leur paye. Voilà, et rez-de-chaussée. Tout le monde attend dans la paye, super. Je viens de penser à un truc. Ce sera très moche. Mais si jamais c'est un succès, ça change absolument tout. On se fait attaquer. Alors que je suis en train d'optimiser, putain. Tout le monde crève, qu'est-ce qui se passe? C'est la CNIL! Vampire level 10! Jesus! Le poulet de garde a sonné, venez vous battre! Ils sont aux putes! Est-ce qu'on peut en capturer un ou deux dans le tas, histoire de mettre la pression? Ouais, capturer la L, c'est gratuit ça. De boucherie. Victoire, 15 bières morts. Jesus. Bon. Au moins ça s'est fait. Ensuite, ça construit, ça construit. Dieu merci. Là, voilà, nickel. On continue l'optimisation. Là, voilà. Et même... Là. Yes. Qui laisse un passage, ce qui permet la communication. On pourrait décaler de deux. Risqué, mais juteux. Ah putain, il y a ce faux mur mystique du cul. Là aussi. Bon. Les faux murs mystiques du cul. Une grande leçon. toujours un moment de divertissement pour toute la famille. Toujours des expériences incroyables. Toujours des choses que l'on aime. Des choses que l'on veut voir. Alors, en plus, ça me baisse vraiment tout. Ça me baisse vraiment tout. Hein. Ce mur du cul, il est démoniaque. Mais c'est pas grave. On l'accepte. Allez. Oui, parce qu'il y a ce mur mystique, du coup. Bon, bah, tant pis. Apparemment, ça a l'air de marcher quand même, hein. Moi, tant que ça marche... Vous me verrez rien dire. Ok, très bien. Du coup, on peut mettre des candélabres, un peu classe. Là, 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 là. Petite fontaine. Voilà, petite fontaine. Petite fontaine, on se met bien. Petite fontaine.
guichet actif 11, sbire dans la queue, plein, super. Bon, je suis d'accord avec vous, c'est laid. Mais d'un autre côté... Comment le mur du haut quand ça peut ajouter le guichet du milieu? Non, parce que du coup, il y a les murs invisibles qui font chier, c'est un peu mystique. Il y a rien à y faire. C'est pas grave, ça fonctionne. Mais du coup, voilà, on a une comptabilité au rez-de-chaussée, une comptabilité au plafond. On a une comptabilité partout. Alors attends, s'ils rentrent par là et qu'ils viennent par là, ils vont venir piller, ça c'est sûr. Pour les empêcher de venir piller, il faut du poulet. Ce poulet n'est pas tourné dans le bon sens. Là, du poulet. Ça c'est bon, ça ce poulet il est impeccable. Et il nous faut là du poulet. Là, ce poulet il est impeccable. Et ce poulet il est impeccable, voilà. Avec ça on a un quadrillage assez net de tout notre système de sécurité. Le démoniste qui se balade avec les trois démons, ils auraient été très utiles durant la baston hein. Trois barbares que j'ai sacrifiés, je rappelle hein. Efficace. Qu'est-ce qu'il y a? La barbe de Goldor, je vais me tirer. On s'épanouit dans la souffrance. D'accord, vous des autres. Chier. Très bien. Eh ben excellent. On progresse. Let's go. Cette fois, c'est la bonne. En interrogeant un prisonnier, j'ai appris qu'un convoi de matériel maléfique arrivait du château de Xor, directement pour le camp des grottes d'Aogd. Parfait. Il est sans doute bourré d'armes et d'objets maudits. Cette fois, pas de vin, pas de tapis de bain, pas de pantoufles et pas de théière. Je m'en occupe personnellement. Cette fois, je vais ramener quelque chose de bien brutal. Affirmatif. Nous engageons toutes les unités disponibles. Opération Ouragan Farouche engagée. Parfait. Surcharge ta partie juste avant de déplacer la prison, t'avais pas encore le bug. Ouais, mais... On peut voir, attends. Voir si on peut opti, mais c'est pour voir. Bugué, on va faire ça. Autosave. C'était 10 minutes avant ça. 10 minutes de test. Hein. J'espère que j'avais fait la baraque à Zangdar. Ouais, ouais, c'est l'exploitation maximale. Hein. Ouais, c'est l'exploitation maritime. Hein. Ça met la max. Hein. Ça met la max. Il me faut la statue. Ah putain. Le scroll de la souris qui est démoniaque. Une statue de nain en or pour marquer le coup. Et juste devant cette statue de nain en or, un bassin à oiseaux vides pour y lâcher l'argent. Là. Et là on est kino. Là l'optimisation elle est max. Parfait. Optimisation MK Ultra, là on est good. Du coup, 12 guichets. Grève, comme prévu. Et donc là, on a la fusion des guichets, que je suis sûr que je pourrais faire un meilleur travail avec ça. Mais j'ai bien aimé l'idée de les séparer en deux, je pense que c'était une bonne idée. Guichet actif 9, 14. On a encore de la place dans le recrutement. Deux nains. Les nains sont jamais pleins, hein. Ils sont ultra nombreux et pourtant ils ont leur endroit pour dormir, leur petite table, leur petite cantoche, leur salle de jeu. Ils s'emmerdent 0%, hein. Ils se mettent bien. Alors, voyons voir. Déferlante vineuse. Oui, donc oui, ça c'est fait. La chapelle profanée, on récupère aussi, pas de raison. Nos troupes sont revenues de grâce. Alors, oui. J'avais prévenu. Voilà. Intercepter le convoi, torturer un prisonnier jusqu'à remplir sa jauge. Ah! Ah! D'accord, donc j'avais eu de la chance en fait. Ah non, c'est bon, ça c'est fait. Cette fois, c'est le parti. On a le combat, c'est la bonne, voilà. Red, messe noire, opération ouragan farouche, garde et espion, on veut des gardes. On envoie les meilleurs. Boop, attaque totale. Ici, pillage intermédiaire des messes noires de Gnurl, Gorgoblin Troll. On envoie les meilleurs
On n'a pas les moyens, d'accord. Ça règle le problème. Ça règle le problème. Il fait un dessert, level 8 ! L'a-t-il ? Madame Ipana Buboisier ! Oh là là, elle a tout gagné. Un bonus a été activé par l'accumulation de ressources de compost. Ah ! Plus de compost, c'est des morts vivants qui survivent plus longtemps. Ah ! D'accord. Bon bah bien, on a du compost alors. On est encore bas hein, dans la création de ressources. Il était une fois la fermentation, c'est fait. Un comptoir phénoménal. Putain, ça par contre, c'est incroyable. Wouah ! Ah ouais, ça c'est l'exploitation, mon gars. Ça rentre même pas dans ce coin là. Ça va, ça pulvérise ce secteur. Blair. Bah. Elle est propre. Pas de nouveau tonneau de binouze, on est bien. Ah, on se met bien. Ah putain, ce comptoir. Oh, avec 4, 5 mecs. Waouh. Ça consomme. Fait venir toutes les origines, c'est fort ça. Qu'est-ce que ça nous coûterait d'en mettre un autre? Virer les comptoirs, les bières, tout le reste. Bam! Bam! Bam bam! Bap bip badabou bap! Zbop! Zbap! Voilà, et là je sais pas ce que j'ai viré. Une table de riche, non, bah non, c'est bon. C'est bien bon, là. Bam, table de riche. Allez, hop, tac, ça envoie. Putain, cette taverne, elle nous met bien. Richesse moyen. Richesse riche, let's go. 97k, ça coûte 5000 par décade, mais putain, ça rentre. Hein. Ouh. Alors, quac. Cuisinier démissionne, raid opération farouche, retour son. Ok, très bien. Mais voilà. Victoire. Les mecs reviennent avec une butin de mission colossale. Schéma de construction, peinture demi-orc. Xor envoie une expédition punitive. Bonus de mission pour les espions, et voir. Ah, 250 par contre, cher, ouais. On les a pas. Hein. Allons-y. Attends la décade avant le texte, au cas où il se passe une dinguerie. Attends même. C'est bon, y'a rien. Bon, on a tout acheté. Tout le monde va se faire payer. Guichet actif 12, sbire dans la queue masse. D'accord, je pense que ça comptabilise tous les guichets actifs. Logiquement. 9. 10. Non, en fait, non. J'ai rien dit.
Est-ce que ça descend assez vite? Ça descend, oui. Et au rez-de-chaussée? Ça descend. Ok, tout le monde est payé avant le quart de la première des quatre. Ça, c'est nickel, putain. Fantastique. Ok, on vous écoute, les mecs. Hey Vax, c'est quoi ce courrier stupide qui me demande de libérer une soi-disant princesse que j'aurais enlevée sous peine de destruction? De quoi? Comment? Faites voir. Je vois, c'est une erreur postale. Il s'agit d'une lettre du clergé de Brave pour un certain Drasgan le Fourbe. Le clergé de Brave? Ils existent encore, ces rabat-joie buveurs d'eau? Loyaux, bienveillants, dévoués, charitables, courageux. Des gens parfaitement malsains et infréquentables. Je vais renvoyer ce courrier à l'expéditeur, maître. Attends, je ne vais pas me laisser insulter de la sorte. Qu'on prépare immédiatement des représailles. Mais ce n'est qu'une erreur de postier dyslexique. Et d'ailleurs, nous n'avons même pas de princesse en otage. Cela peut s'arranger si facilement. J'adore torturer ces petites pimbèches de la noblesse. Très bien. On dirait que le raid est terminé, non? Ouais, la binouze! Taisez-vous. Et servez-moi ce que vous avez de plus... brutal. Par les tentacules de Xor! Mais vous étiez censé vous en charger personnellement! Ce convoi venait directement de la forteresse noire! Je sais. Le renseignement était correct. Mais... il transportait... des meubles, de la literie pour les troupes... Tout ce que j'ai pu récupérer, c'est... le fauteuil maudit de Turgul l'Infect. Affirmatif. Avons capturé fourniture d'ameublement. Sans vouloir la ramener, c'est pas mon genre. On dirait qu'on a collectionné de quoi meubler une maison de retraite. Franchement, pantoufles, tasse à thé, tapis de salon et maintenant un fauteuil. Offrez-les à Zangdar, en vrai c'est based. En vrai, vous vous mettez bien. Donjon certifié, merci. Oui, ils vont faire une expédition punitive. Oui, ils vont nous niquer nos races, d'ailleurs. Rumoal Zul'Galang est en prison. Oui, comment ça se va, au fait? Aventurier humain, on va te torturer un peu, histoire de... voilà. Ouais, très bien, ça. Lâche les infos, bâtard. Très bien. Ça crée des outils. Où s'en trouve ma comptabilité? Non, rapport détaillé, non, c'est pas ça. Taxe foncière sur les étages, revenu de la taverne, salaire. Côté outils, on commence à être un peu bien, mais on n'est pas dedans. Hein. Si on les vend à 100 parce qu'on est full. Ça, on les vend pas parce qu'on n'y est pas. Production de la DK 2, mais putain! Ah là, je vous jure, ils me rendent fou ces espions. Ils servent à que de chi, quoi! Vous êtes combien? Mes armas, vous êtes 30! Shit, on se fait attaquer! Au moins. Bam! Ils ont prévenu les poulets direct! Mettez-moi ça en tôle! Et lui, c'est un vampire! Où sont tous les gens agressifs de l'étage? Y'a personne! Ah ah! Le démoniste avec ses trois démons, est-ce qu'il va se passer un truc? Merci! Enfin, voilà! Voilà un peu ce que ça vaut! Voilà! Voilà! Des vrais dégâts! Merde, un nécromancien et un espion. Level 4 et un espion. Level 4 aussi. T'as chié, t'es level 1 depuis ce temps.
Dehors. Tortureur level 4. Bon, c'est pas top, mais on va en prendre un. Ok, très bien. Cool. Parfait. Bah, réarmer les pièges sans vous les taper. Toi, t'es blessé, mais t'es mort, frère. Je m'ennuie, je pue, rends l'âme. Ah oui, t'es en train de mourir. Ah, il en reste. Ah merde, le cultiste est mort. Ah, un des cultistes est mort, ok. Bon. Un espion. Prison, qu'est-ce qu'on a gagné? Une cellule pour nain, pas mal. Et une cellule pour peau verte, pas mal. Pas mal. Ça, et je vais faire ça. Alors, cellule pour nain. Ah, des fruits et des légumes, très bien. Et cellule pour les peaux vertes. Alors, des légumes de potager elfique. Apparemment, ça traumatise les nabos. Et enfin, un bain de savon. Très bien. Ah, c'est ça, en fait. C'est juste un bain. D'accord, les orques, tu les mets juste avec un bain, lol. Et les nains, tu les mets avec un potager. C'est très bien, ça. Très bien, ça. Qui part ? Un cuisinier démissionne, besoin non satisfait. Une elfe level 3, on s'en bat les couilles. Comment vont nos réserves de bouffe au fait? On en parle, mais... Ouais, on est bien, c'est les desserts, hein. C'est tellement dur, d'entraîner des humains pour qu'ils produisent des desserts, mais... En même temps, il faut, quoi. Il faut. Après, il était level 4, lui, donc c'est bon. C'est bon, ça. Yodébert Dinshu est en prison. Eh ben, torture-la jusqu'à sa mort. Il se repose, il se fait plaisir. Ok. Un combat est en cours, où ça? Non, il n'y a pas de combat là encore. Voilà, libère-le et on en finit. Impeccable. Donjon certifié. Un démon devient fou. Mon ancien mort. Ok, il y en a un autre qui est parti dans les chiottes, d'accord. Bon, très bien. Les démons, c'est de la merde, hein. On a gagné, qu'est-ce qui est mort? Il est mort un nécromancien, je crois. Ouais, bon, on n'a pas mieux, tant pis. Voilà. Nécromancien, c'est quand même chaud, hein. C'est quand même chaud, brave Jean. Orlof au rapport. Alerte Vermillon. Débordement démoniaque. Code Oméga. Formation de combat en phalange parallèle. On va tous y rester. Négatif. Il faut prendre position au quatrième étage et installer une armurerie. De là, nous pourrons repousser les démons pied à pied. Moi,
je regarde de loin. C'est très salissant d'affronter les démons. Et je n'aime pas les choses qui sont plus sadiques que moi. Dehors, les civils et les planqués! Laissez faire les professionnels! Merde! Ah! Un drow. Mettez-les en tôle! La phalange d'exoriens, mettez-les en tôle! Mettez tout le monde en tôle! Ils viennent convaincre le Golbarg dans son antre de libérer des démons à votre service. Toutes ces mines qui ne servent à rien, c'est quand même formidable. Ruiné, solution à tout. Parfait, c'est la prochaine fois. Un sbire mort, victoire. 3 sur 7 ennemis tués. Je sais pas pourquoi ils me font signer un papier, mais ah oui, parce qu'ils sont secs les autres. Ok, super. Nickel. Allez hop, en tôle le gros lard. Un bain. Orlof au rapport. Insurrection démoniaque terminée. Retour en mode de vigilance normale. Ouf, j'ai cru qu'on allait finir en bouillie pour Gorgoth. Bah, je savais que tout allait rentrer dans l'ordre. Bon travail, Orlof. Toute cette sueur et ces muscles. Négatif. Aucun intérêt pour les séides subterranéens. Ça parle mal. Gouja. Beast. La taverne nucléaire. Ouais, ça y est, la taverne. Ah merde, non, mais toutes mes notifications de taverne nucléaire ont pas. Ah si, c'est bon, c'est les tavernes nucléaires, ça. Comptoir phénomène, ouais, c'est bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il est où Zangdar? Il est où Zangdar? Mange à la cantine. Il mange toujours à la cantine, frère. Et Revax, il dort. Ah. Alors, où en étais-je? Oui. Mais qui parle dans ma tête? Comment? La, non, d'un robinet, je n'écoute pas les voix dans ma tête, non. Hein? J'ai dû rêver. Je deviens fou, je me parle à moi-même. Ok. Zaptar, j'ai assez patienté, ma colère sera terrible. Je vais ravager tous ces donjons, et plus jamais une âme mortelle ne pourra fouler le sol de cet étage maudit. Alors pour le coup, il faut savoir que j'ai installé Zangdar au même étage que le Golbarg, hein, ça se passe bien. Enfer et déliquescence! Pas moyen de travailler tranquille ici! Alors, vous avez trouvé des objets magiques, bande d'incapables? C'est-à-dire que nous sommes en train de trier et d'identifier ce qui a été ramené. Mais c'est très difficile et certains objets sont anciens et mystérieux. Ça suffit! Envoyez-lui immédiatement tout ce que vous avez! Séance tenante! Et pour la peine, c'est vous qui allez vous en charger, tous les trois. Mais il va nous massacrer quand il verra ses breloques. Rassemblement de la brigade antidémon. Prêt à sacrifier des prisonniers en première ligne. Opération Chaos Vengeur. Foutu pour foutu, je vais lui amener du thé pour le service. Et une savonnette. Dès que le démon attaque, je recule, je saigne les trois autres dans le dos, et hop, je fuis. Hein? Vous avez dit quoi? Zangdar! 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 Mais ces objets, ils sont magnifiques! Quoi? C'est-à-dire que... Enfin! Je vais bénéficier d'un peu de confort! On a beau être un démon de l'ancien monde, avoir de quoi aménager son intérieur, c'est important! Ouf! Partout les limons toxiques, nous l'avons échappé belle. Comme quoi, démon ou pas, on est tous pareils. On aime qu'on prenne soin de nous. Avoir son petit confort. Affirmatif. Alerte terminée. Bien. Je pense que nous allons trouver un arrangement. Tant mieux. Quant à vous quatre, eh bien, merci. Et reprenez le travail. Excellent. Excellent. Fantastique. Et du coup, attends, je peux lui installer son set de thé ou...
Réserve de nourriture. Débloquer un pervers de s'occuper. Cadavre augmente le prestige de la salle. Ah bah oui, bah. Faux fou. Il faut être généreux et squelette de dragonnet. Oui, il faut être généreux et voilà. Il faut décorer l'endroit de manière ils sont généreuses. Voilà. Les cadavres ici et là, c'est très bien. Mort et dévastation à tous les étages. Osez-vous me parler ? Sa patience est en train de baisser. Mon entrée est pas à la hauteur, mais j'y travaille. Putain, ton entrée, elle est 5 étoiles, frère. Je sais pas ce qu'il te faut. Maintenir la salle propre. Bon, c'est pas une bonne idée. C'est une terrible idée. Allez, tous ces gens sont en prison. Très bien, torturez-les. Torturez-les, si possible, jusqu'à la mort. Déjà, moi, ça me fera du bien. Torture-moi ces bâtards. Et toi, t'es une drone, donc tu fais bien ce que tu veux. Ok, excellent. Nous avons eu accès aux étages supérieurs. Est-ce qu'on a la totalité du donjon de Naolbuck? Quatrième étage du Goldberg. Cinquième étage, Tim. Sixième étage, Zangder, le dirigeable. Pouah. Ah, et on a la max. Et on a la max et on peut terminer là-dessus. Merveilleux. Le donjon de Naolbuck. Ah, et c'est super qu'il l'a implanté. J'aurais été déçu. J'aurais été déçu si on n'avait pas pu. J'aurais été déçu si on n'avait pas pu. J'aurais été déçu si on n'avait pas pu. Hop. C'est-à-dire que là, il y a des fenêtres, mais ça va rien. C'est de la pub mensongère. Mais voilà, regardez ça. Merveilleux. Boum, boum. Double étage. Putain, je sais pas ce qu'on peut caler là, en vrai. Je sais pas à quoi peuvent servir ces pièces, mais... Mais du coup, voilà, il y a moyen de caler un bon bureau de Zangdar, un bon bureau de Revax. T'as moyen de te mettre bien au tout dernier étage, hein. Ah ouais. Ah ouais, appartement privé de Zangdar, là. Bah. Il est vers quoi, le dirigeable? Il est vers Zwifi, regarde ça. C'est génial qu'il soit fait chier à rajouter le toit. Je trouve que, honnêtement, ça donne vraiment le petit cachet. Mais du coup, on a deux étages supplémentaires et on ne sait pas quoi en foutre. À l'aide! Bonjour, je suis Midrantir, Archimage Consultant. Je suis bien au donjon de Naolbuck. Ah, parfait. C'est moi qui vous ai écrit. J'ai lu votre annonce dans Donjons et Despotes. J'aime beaucoup vos articles sur le management des donjons maléfiques. Il est vrai que mes modestes contributions sur le développement des capacités intrinsèques, du caractère disruptif des innovations modales, en matière de processus de gestion, ont acquis une certaine renommée. Hé, hey, c'est qui ce gros faisant? C'est un archimage consultant. Zut, je pensais qu'on était sortis de ça en planquant ces magazines. Maître, avons-nous les moyens de payer un tel service? Bah, tu n'as qu'à te débrouiller. Ce n'est l'affaire que de quelques milliers de pièces d'or par jour. Quoi? Mais par les oreilles du chalibuc, nous allons être ruinés. Il se trouve que mes services correspondent à la prestation 912, définie à l'alinéa 6 de l'article 114 de la Convention de la Caisse des Donjons sur les services de conseil dus aux installations maléfiques. Vous n'aurez rien à payer. Quoi? C'est vous? Mais je dois vous mettre en garde, Zangdar. Ce sorcier est un escroc sans scrupules. Il a trompé la CDD avec un contrat ambigu et s'enrichit maintenant avec ses truses. Oh, elle est baisée, Josiane! Je dirais plutôt que l'accomplissement de mes prestations de conseil se fait avec votre généreux appui financier. Parfait, parfait. Par où allons-nous commencer? Je vais procéder à un rapide diagnostic de vos installations arcano-cosmiques afin de préparer une évolution performative incrémentale et disruptive de vos sous-jacents managériaux. Je vous ai à l'œil, Midrantir. La vache, c'est du lourd. Moi, je vais m'en jeter un petit derrière le gorgerin, histoire de tenir le coup. Eh, les mêmes choses.
Au secours. Mais où ai-je mis le parchemin de destruction? Comment ça, combat en cours? Vous êtes tous morts. Vous êtes morts. Voilà ce que vous êtes. Un artisan a été tué par le Goldberg. Ah bah, c'est bien la peine. C'est bien la peine que je licencie mes trolls si c'est pour que tu tues mes gobelins. Putain.